Ça va à l'école? Super génial. Sélection baseball aujourd'hui. Yep. Ça devrait être sympa, non? Je ferai sûrement pas partie de l'équipe. Bien sûr que si, voyons. Tu es un des meilleurs joueurs de Boston et du district. Ce serait bien si on était encore à Boston. Est-ce que tu veux passer à mon travail après l'entraînement? Tu pourras dîner? Ouais, d'accord. Hé, hey, je t'aime, Finn Lawson. Moi aussi, je t'aime, moi. Hé, hey, Luc. Le nouveau qui essaie de prendre ta place a l'air plutôt bon. Il frappe sûrement pas aussi fort que toi. Alors là, je vais te dire, je suis pas du tout inquiet. Vas-y, au revoir. Oh, vous avez entendu le joli son de la batte qui brasse de l'air? Concentre-toi, Luc. Encore une. Faut frapper plus fort. Bon, allez, ça suffit. C'est bon. Venez tous par ici, les enfants. Allez, on se dépêche. Jeunes gens, pour ceux d'entre vous qui ont réussi le premier test, le nom sera sur la liste devant mon bureau dans un quart d'heure. Si vous n'êtes pas sur la liste, merci d'avoir passé les sélections. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans cette équipe.
nouvelle amie, regardez. Allons, vas-y, grimpe. Voilà, bravo. Reste tranquille, tu es avec tes nouveaux amis. Tu ne veux pas, on va y aller tranquillement. Fais attention à tes petits pieds. C'est fermé. T'es qu'un petit minable, t'es toujours dans nos jambes sur le terrain. Et tu sais quoi? Personne ici peut te blairer. Alors un conseil, tire-toi. Tu le veux celui-là? Il a pas fait un coup. Et moi, mec? Eh, branleur, tu veux un coup de main? Pour ça. Hé, ça va pas tous les trois? Il a bien le droit de se présenter aux sélections, non? Oh, on t'a parlé, toi? T'es aussi minable que lui. En tout cas, je sais frapper. Bien, alors, ne faites pas encore la fête, jeunes gens. Il y a du pain sur la planche. Il a raison, je confirme. La soirée pizza, pas question, dans le frigo, les pepperoni et au chaud dans leur emballage, les ballons de couleur. Les sélections finales, c'est demain. Donc personne ne fait encore partie de l'équipe. Aucun d'entre vous. Je vous le dis tel quel. Il y a 0 plus 0 joueurs dans l'équipe. J'ai dit 0. 0 qui s'écrit, bien sûr, c'est... Merci bien, coach Larry. Comme j'étais en train de vous le dire, demain, vous donnerez tout. Je veux vous voir cracher vos poumons. Vous devrez... Une petite seconde. Quand le coach dit que vous donnerez tout jusqu'à cracher des poumons, c'est pas cracher les chewing-gums que vous avez dans la bouche. L'an dernier, aux sélections, il y avait du chewing-gum partout sur le terrain. Je dis bien partout. Je m'en parle, hein, coach. J'ai compté qu'il y avait 17 morceaux de chewing-gum sur le terrain. Ouais, des morceaux en raisin. À la menthe verte, à la cannelle, et j'en passe. Il y avait au moins 9 parfums de chewing-gum. Et l'un de vous, jeune Jean, a sûrement dû en mâcher un de 3 parfums différents. Un vrai suicide de chewing-gum, parce que j'ai vu de la fraise des bois, du raisin et de la cannelle. Tout mélangé ensemble. Je vais vous assurer que ça se reproduira pas cette année. Non, non, jeune Jean, je suis un coach de baseball et c'est tout. Je suis pas un ramasseur de chewing-gum mâchouillé de l'incisive à la molaire. Oh, ça non. Ils n'ont plus le coach Peller. J'ai bientôt terminé avec eux, coach. Baseball, jeune Jean. Baseball. Oh non. Oh, allez, oh, t'es pas toi. Je veux voir. Oh, allez, dépêche. Qu'est-ce qu'il fait? Hé, me pousse pas. Les chaussettes, hein? Non. Il n'a pas vu ma veste. Punaise, mon père va me passer en savon. C'est de la course à pied. Tu cours plutôt vite. Je crois, ouais. Ton père sera pas en boule si t'es passé. T'as vu qui est là? Ouais. C'est pour tous les autres, les losers. L'atelier de couture, c'est par là. Oh non. Ah, je suis vraiment désolé. On dirait que t'as même pas passé le premier tour. On en reparlera demain. Veux-tu que je te serve une boisson gazeuse aux fruits pour le plaisir de ce repas? Je vais juste prendre un soda. Tu es là, mon cœur. Je peux pas venir, tu n'as qu'à dire à Lynette ce que tu veux manger, d'accord? D'accord. Ah non, je veux que tu me racontes les sélections, donne-moi une seconde. Comment ça se passe à l'école? Pas trop mal. T'es attendu à la table 12. Ah. Je reviens tout de suite, Lynette. Un problème, monsieur? Il y a de la viande avec ce burger. Vous vous attendiez à trouver quoi, dedans? Je crois avoir commandé un burger végétarien. C'en est un. Il y a les légumes sur le dessus du burger. Un burger végétarien. Ah oui, mais je pensais que le burger serait fait avec des légumes. C'est pas grave. Je peux avoir autre chose assez vite. J'ai une meilleure idée. Reprenez simplement le burger et je garde le reste. Pas de problème. J'ai plutôt bien passé mon test. Coach Peller a été impressionné, je crois. Ça, c'est plus que normal. Je suis très fière de toi.
J'aurais besoin d'une nouvelle paire de chaussures à pointe. Comment ça, déjà? Je peux pas empêcher mes pieds de grandir. Ça peut attendre la semaine prochaine quand je toucherai mon salaire. Cynthia, le burger végétarien de la table 12 a renvoyé cette petite chose. Alors avant toute chose, Lynette, arrête d'appeler les clients par le nom de leur commande. Le prochain qui croit que les burgers végétariens sont faits avec des légumes, je... Quoi? Mais c'est écrit sur le menu. Oh, je suis désolée, mon chéri, il faut que j'aille régler ce petit souci. J'ai tellement fait une lasse. Moi aussi, maman. Ciao. Voici burger végétarien. Bonjour. Vous avez un petit problème avec votre commande? C'était de la viande. Vous avez commandé un burger. Pour être plus juste, je dirais que j'ai commandé un burger végétarien. Je pensais que... je sais. Vous pensiez que le burger était fait avec des légumes. Et pour être plus précise, sur le menu, il est écrit « burger accompagné de légumes ». Mais comme le client a toujours raison, puis-je vous proposer autre chose? Je n'ai plus le temps maintenant. Mais je paierai volontiers puisque j'ai mangé les légumes. Non, il n'en est pas question. J'espère que ça n'a pas gâché votre repas. Vous savez quoi? Je vais au moins laisser un pourboire. Non, ce serait exagéré. C'est toi qui le dis. Je suis vraiment désolé de vous avoir vexé. Waouh! Tu veux dire waouh pour le gros pourboire ou... Qu'est-ce qu'il est sexy! Hé, hey, Cynthia, tu peux venir tout de suite? Et tant que tu y es, trouve-moi l'extincteur! Indispensable, Suzanne. On n'a déjà pas assez à manger pour nous. Je t'ai dit que je passerai à la banque alimentaire samedi matin pour en faire le plein. Celui-là, là-bas, il est blessé à une patte. On va le ramener d'où il vient. Je ne l'ai pas pris chez quelqu'un. Je l'ai trouvé sur la voie ferrée, pauvre petit chéri. Oh, Gary, s'il te plaît, ça va. Tu t'en remettras. Que le mignon doit au moins te prendre plus tard contre moi. Doucement. Hey, on se bouge, jeunes gens. Dernier jour de sélection, on se remue. Dans au centre, c'est sur le banc que tu veux passer la saison. Debout, allez, on y va. J'aurais peut-être une idée pour lui apprendre à vivre au nouveau. C'est pas ici que tu vas jouer au baseball, mon petit. Allez, viens. J'arrive. J'ai dû les jeter là-dedans avec ma serviette hier. Ouh! Tu vas m'aider à retrouver mes chaussettes sales. Du cadenas.
c'est bon, les mecs. Ça suffit, ouvrez. Laissez-moi sortir, ça pue là-dedans, ouvrez. Y'a quelqu'un? Coach? De provocation ridicule, je ne veux pas de chewing gum dans les vestiaires. J'ai horreur des chewing gum. Je hais les chewing gum. Coach? Désolé, Finn, mais je ne peux pas refuser une place à un joueur qui a réussi à passer les sélections. Mais je... Mais je quoi? Non, rien. Écoute, on va faire comme ça. Tu viens au premier entraînement lundi, et on voit comment ça se passe. Merci, coach. Je te promets rien, Finn. C'est compris? Merci. Merci, coach. Moi, je vais te faire une promesse, Finn. Tu me craches ton chewing-gum sur le terrain, c'est pas moi qui irai le nettoyer. Mais t'as raison, coach. J'ai pas tort non plus. Quoi? De linge sale. Tu pourrais servir de serviette à l'équipe, non? Hey, tu m'envoies la balle? Je t'ai dit, envoie-moi la balle. Salut, Finn. On va aller jeter des pierres dans les fenêtres de l'usine désaffectée. Tu veux venir? Pour casser les vitres, tu vois? Je regrette, non, je... Aujourd'hui, je peux pas. Je rentre chez moi. Waouh. Tu veux que je te dise à quoi ça ressemble un loser, le nouveau? Moi, c'est Finn. Finn. Ah oui, je ne sais pas trop si Finn est un prénom cool ou un prénom de loser. Est-ce que Finn est cool ou pas, les gars? Ça n'a pas l'air. T'as un portable? Ouais. Pourquoi ça? Je veux appeler ma mère. Lui dire qu'elle m'attende pas, que je rentrerai quand j'en aurai envie. Tu viens, Finn? On va s'amuser? Ouais, ça change quoi, Finn? Chez toi ou dehors? Il faut que je rentre pour nourrir le poisson rouge. T'as un poisson rouge? J'adore les poissons rouges. À la sauce tartare. Ah, d'accord. Tu devrais avoir un chien. J'aime les chiens. Ah oui, et est-ce que les chiens t'aiment, eux? Est-ce que... Spartacus t'aime, lui? Non, t'inquiète pas, le nouveau. Spartacus ne te fera aucun mal. Vas-y. Caresse-lui la tête. Non, ne fais pas ça. Allez, n'aie pas peur, tu peux lui caresser la tête. Caresse-lui la tête. Oh, fille. Ne lui montre pas que t'as peur. Il faut montrer à ces petites bêtes que c'est toi le patron. Finn. Hé, hey, rends-moi ça. Ah oui, sinon? Sinon... Sinon rien. Écoute-moi bien. Tu t'approches pas du terrain de baseball, d'accord? C'est enregistré. Je rentrerai chez moi à ta place. Ah ouais, si je dis non? C'est que t'es un imbécile. Merci pour le joli cadeau, Finn. Il faut que j'y aille. Oh, mon Dieu, non! Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne sont plus ensemble. Je ne peux pas lire autre chose que ces imbécilités.
Finn t'a dit s'il rentrerait plus tard du baseball? Je ne sais plus. Il s'est peut-être enfin fait des copains. D'habitude, il appelle tout le temps. À son âge, j'allais souvent chez les copines et j'oubliais de vérifier les SMS sur mon portable. Et ma mère en devenait folle. Gracie, ma sœur est devenue folle sans que tu y sois pour quelque chose. Est-ce que je dois lui dire ça? Ça, je te l'interdis. Sélection de baseball, si tu veux savoir. Moi, je te sélectionne pour aider ta mère. C'est une vraie bête sauvage. Hein. T'es drôlement blessé à la patte. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, mange, mon chien. On a passé une mauvaise journée, tous les deux. Tu veux me remercier? Serment 5. Oh. T'es plus intelligent que mon poisson rouge. Oh, chut. Oui, je reviens tout de suite. Reste tranquille. Récupérer un chien errant, c'est une chose, mais voler un chien dans le jardin d'un particulier... Gary, je ne suis pas une voleuse de chiens, je suis là pour améliorer leur existence. Ça ne doit pas être la vie de leur propriétaire. Tu veux aller en prison? Tu veux finir derrière les barreaux? C'est pour ça que je t'ai parlé de mon plan d'urgence B. Tu pourrais pas écouter un peu ce que je te dis? On aura vite besoin de ton plan B. Quoi? Cette équipe est réputée pour sa pugnacité. Je me tue au boulot à perdre des heures sup. Et quand je rentre, il faut que je m'occupe des chiens qui s'entretuent. Et pour quel bénéfice? Aucun. On est fauché à cause des chiens. Alors tu vas te chercher un boulot. On n'est pas fauché à cause de ces chiens. On est fauché parce que tu ne gagnes pas assez. Et je peux pas avoir un boulot. Faut que je m'occupe de mes bébés. Alors ton boulot, c'est d'assurer financièrement. Donc assure financièrement. Va-t'en, reste pas là. T'as compris? Va-t'en, allez. Viens, mon chien, viens, mon bébé. Tu veux sortir? Je veux sortir avec toi, viens. Emporte-moi ce bazar dehors. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? J'appellerai les services de protection de l'enfance qui t'enverront en prison. Trouve-toi un meilleur motif que ça, sinon ils m'accorderont des vacances. Où
est-ce qu'elle est encore? Où tu veux qu'elle soit? Avec les chiens? Alors va lui donner un coup de main. Changera un peu. Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je vais d'abord faire mes devoirs, comme tu me l'as demandé. Alors bon courage et bonne chance. Si tu m'aidais de temps en temps, je ne redoublerai pas. Garde le fer, c'est bien. Je croyais que t'étais sorti. Ouais, mais je t'ai vu boire à la bouteille. Alors tu vas la remettre tout de suite dans le réfrigérateur. Oui, je t'ai apporté quelque chose. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ah, signal. Super. Batterie déchargée. Finn, il va se faire gronder. T'inquiète pas, je reviendrai. C'est promis. Bye. Garde cette photo de toi et d'oncle Ted. C'est toujours le père de Finn. Finn dit qu'il a jamais de ses nouvelles. Non, ça fait 11 mois déjà, depuis qu'il a épousé Julia. Ah, ça l'arrange bien en fait. Pourquoi tu recommences pas à sortir? Quoi, moi sortir? Rencontrer quelqu'un? Non, j'ai pas de temps à ça. La preuve en est d'ailleurs que je vais avoir besoin de toute mon énergie pour recadrer Finn. Quand il rentrera à la maison, sois pas trop dur avec lui. Écoute-le, au moins. Hé, j'ai reçu ma lettre d'admission pour cette école du Michigan. Oh, c'est vrai? Félicitations, Gracie. Ouais, mais maman et papa ne sont pas d'accord pour que je parte si loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux aller le plus loin possible de mes parents. J'irai dans le Michigan, quoi qu'il en soit. C'est bien. Fonce, va à la fac et surtout deviens riche et célèbre. Peut-être qu'un jour, je serai un chef célèbre comme toi. C'est toi qui le dis. Je n'ai pas réussi à sortir du rang. Les meilleurs restaurants sont sur la côte Est. Ici, on flanque des légumes sur un burger qu'on appelle burger végétarien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien pour Finn et moi. C'est un nouveau départ. Finn! Mon Dieu, mais où est-ce que tu étais passé? J'ai continué de jouer au baseball avec des copains après les sélections et j'ai perdu la notion du temps. Qu'est-ce que c'est que cette blessure? Je l'ai trouvée qui marchait à Riverton, près du parc. C'est en prenant un raccourci à travers les bois. Je vais bien. Écoute-moi, je t'ai acheté un portable pour savoir tout le temps où tu es. Et tu dois répondre quand je t'appelle. Ma batterie était déchargée, excuse-moi. Moi aussi, ma batterie est tout le temps déchargée, tante Cynthia. Merci de ton soutien, Gracie. Et merci à toi, Drew. Oh non, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Oh, waouh. Ça sent vraiment hyper bon chez vous. Et vous savez, j'ai pas déjeuné. Tante Cynthia a préparé des croquettes au thon. Il faut que tu restes pour les goûter. Des croquettes? Eh ben, je sais pas. Ce serait mal poli de refuser, je crois. Je te prépare aussi une assiette, Finn. Merci, Gracie. Et vous, monsieur? Je crois que vous m'avez fait vieillir de 10 ans ces 2 dernières heures. Je suis désolée. On va s'occuper de ta blessure. Je vais chercher de quoi te soigner. Tu sais que je vais voir tes professeurs ce soir pour la réunion parents-prof. Tu vois, je me disais que on pourrait peut-être avoir un chien, non? Tu comprends, tu travailles beaucoup et tu rentres tard. Je suis seule à la maison, on pourrait le prendre pour me protéger. Ça me ferait une compagnie. Je suis absolument contre. J'ai suffisamment de frais comme ça. Il y a toujours plus de factures de veto qu'on le croit. Tu te souviens du vieux Charlie? Non, pas vraiment. J'avais que 3 ans. Quelle race de chien tu vas choisir? Et puis, nous avons déjà notre ami Sushi. C'est pas Sushi qui pourrait me protéger. Enfin, je crois pas. Et tu promènes pas un poisson rouge au bout d'une laisse? Il aimerait pas, d'ailleurs. Et un poisson rouge, ça dort pas au pied de ton lit. Bon, tu pourrais changer de sujet de conversation. Et les poissons nagent dans la même eau où ils... tu vois? C'est inutile, Gracie. Le propriétaire a été clair. Pas de chien ni de chat. Moi, j'ai eu un chien. J'ai trouvé ça très sympa. Ouais, le proprio s'en est peut-être pas aperçu, si ça se trouve.
Allez, accepte. C'est qu'un chien, après tout, ton Cynthia. Un chien, tu t'en occupes pas beaucoup, c'est autonome. C'est hors de question. Un peu à manger, à boire, c'est tout. Y a rien d'autre à dire. Fin de la conversation. Je suis désolée. Ok, je vais lui parler. Sont bonnes ces croquettes. Désolé, petit cousin. C'est pas grave. T'auras essayé. Tu sais, ta maman a beaucoup de responsabilités. La vie devait être meilleure ici. Elle va s'améliorer. Vous êtes plus proche de nous. Je déteste cette vie. Un chien, ce serait super, mais ce qu'il faut, c'est que tu te fasses des amis ici. Et ça prend du temps. Allez, viens. De t'appeler le chien. C'est aussi nul que le nouveau. Comment je vais t'appeler? Toto? Benji? Lassie? Tous ces noms sont pris. Tu marques ton territoire? Tu possèdes tout Marshall Avenue maintenant. Tu veux que je t'appelle Marshall?
J'aime bien. Marshall Lawson Avenue. On avance, Marshall. Il reste un petit quelque chose pour toi, mon cher. Bouillon pour toi. Et encore ensuite, j'ajoute aussi des chips pour donner un goût craquant. Bon appétit. Doucement. On dirait que t'as faim. Oh, excuse-moi, mon cher. Ça te fait mal, ta blessure. Finn ? Oh non, je t'en prie, silence, Marshall. Tu restes ici. Bonsoir, maman. Bonsoir. J'étais en train de... J'allais prendre une douche. Depuis quand tu prends une douche sans te le demander une centaine de fois ? Je me suis beaucoup salie au baseball aujourd'hui. Les lunettes aussi ? Ouais, exactement. Alors, comment s'est passée la réunion parents-professeurs ? Très bien, agréable. J'aime bien ta nouvelle école. Les profs ont l'air plutôt gentils. Excuse-moi, j'ai un mal de tête carabiné. Je crois que je vais aller... Tu devrais aller dormir tout de suite. Dans ta chambre. Écoute, mon chéri, je suis désolée pour cette histoire de chien. Peut-être dans quelques années... Oh, ça fait rien, je pense déjà plus à ça. D'accord. Oh, et... Oui. Ne jetteras pas ta balle contre le mur ce soir. Tu t'entraîneras demain au stade si tu veux. Je vais mettre mon masque et essayer de dormir. Tu sais que je t'aime beaucoup, mon fine chérie. Moi aussi, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout va bien, Marshall. Faut juste pas faire de bruit. Marshall ! Ah, au secours, Finn ! Finn ! Viens faire descendre cette créature de mon lit ! Fais-le sortir, viens. Dépêche-toi ! Oh, Finn ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, viens, qu'est-ce qu'il fait là ? On s'en va. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? Allez, viens, Marshall. Parce que t'es ma petite amie. C'est pour ça que j'ai envie que tu sortes le soir avec moi. Écoute, je suis punie, et si je sors en douce, ça doublera la durée de la punition. Ça doublera la durée ? Oui, et mes parents m'affubleront d'un bracelet électronique que je devrais porter à la cheville. Qu'est-ce qui t'appelle ? Un autre garçon. Non, non, c'est pas vrai. C'est Finn. Oui, Finn, je t'écoute. Cassie, faut que tu viennes m'aider. Où es-tu ? Regarde à ta fenêtre. Oh, oh. C'est quoi ça ? Un chien. Mon chien. Reste où tu es, je descends tout de suite. Finn, ta mère va devenir folle si tu ramènes un chien chez vous. Tu crois ? On s'appelle Marshall. On dirait qu'il est blessé. Bon, viens, emmène-le dans le garage, on va essayer de soigner sa patte. D'accord, viens, mon chien. Désolée, Marshall. Ne m'en veux pas. Pourquoi ça fait des bulles ? C'est une vilaine infection. Où tu l'as trouvée ? Chez Luke Weaver. Il faut que tu le ramènes. Il mourra si je le ramène chez eux. Ils sont fous, ces gens. Ils ont au moins 60 chiens. Marc, ils m'ont toujours fait peur. C'est pas des gens avec qui tu veux avoir des ennuis. J'ai pas peur d'eux. Je veux bien que tu le laisses ici cette nuit, mais mes parents ne doivent rien savoir. On fait quoi pour sa patte ? Je sais pas. Faut emmener Marshall chez le vétérinaire. Je vais lui chercher à manger et à boire. C'est un chien errant ?
J'en sais rien. Il fait beaucoup pipi dehors. C'est un signe. Tout va bien, mon chien. Tu crains rien avec moi. Jamais plus les jambes te feront du mal. Je sais pas encore comment, mais je ferai tout pour que tu sois plus jamais maltraité. Tu sais, je voudrais bien te ramener dans mon ancienne maison. Tu l'aurais aimé. T'aurais aimé mes anciens copains et... eux aussi t'auraient aimé. C'était bien mieux là-bas. Si mon père ne nous avait pas quittés, la vie serait super chouette. Je le déteste. Toi, tu sais pas ce que c'est que détester. Hein, mon chien ? Tu l'as dit à ta mère pour le chien? J'ai besoin de personne pour le faire. Je suis pas un bébé. Pourquoi tu me l'as dit à moi, si tu avais besoin d'aide? Mais personne n'aide jamais personne, ça saurait. Si quelqu'un doit m'aider, c'est moi. Qui t'a raconté ce genre de truc débile? C'est la seule chose que mon père m'ait appris. Tu sais, toi tu aides Marshall, et moi je t'aide pour Marshall. Tu aides aussi ta maman. Je crois que ton père a dû se tromper. Arrête, s'il te plaît. J'ai pas envie de parler de ça. Oui. Allez, rentre. Je m'occuperai de Marshall ce soir. Merci, Gracie. Ouh, c'est quoi cette odeur? Shampoing pour chien fait maison. Ma foi, au moins, t'auras pas de puce. Et moi, ton ami. Tu avais dit la dernière fois. S'il te plaît, Gracie, dis oui, ça va être une super fiesta. Tu veux quand même pas que j'y aille en célibataire. Pourquoi? Ça te fait envie, c'est ça? C'est pas ce que j'ai voulu dire, ah, vous sang. Désolée, Drew. Je sors pas en cachette. Comment t'es entrée ici, toi? C'est qui, ça? Faut que tu sortes avant que mes parents se pointent. Gracie, c'est qui, lui? Drew, il faut que j'y aille. Non, t'exagères, s'il te plaît, ne me laisse... Je regrette, Marshall. Tu retournes au garage. J'ai assez de problèmes comme ça. Tu fais craquer les filles, toi, hein? Alors, tu as entendu Drew? Est-ce que je sors en cachette? Est-ce que c'est un oui, je sors en cachette, ou un non, je reste ici? Chut! D'accord, je sors pas en cachette. Un chien dans la maison du bonheur. Comment ça a pu arriver? Ça finit toujours par arriver. Tu vas partir à la recherche de mon chien. Ton chien peut-être n'importe où. Oh, il est sûrement quelque part en train de mourir de peur. Pars. Il n'est pas question que j'y aille. On vivra mieux avec un chien en moins. Tu veux que je m'en occupe, maman? Enfin, il y a au moins un homme dans cette maison. –
et je lui ai renvoyé tous les papiers. Je n'aurais pas dû. Bonjour. Vous êtes le chef cuistot. Et vous, burger végétarien. Pardon, j'ai rien dit. Mon prénom, c'est Henri. Enchanté. Enchanté, ravie de vous revoir. Oh, pardon, je vous présente Carrie. Enchanté, moi aussi. Henri m'a parlé de la bonne cuisine qu'on sert ici. C'est vrai? Oui, le petit déjeuner est exceptionnel. Ça, c'est pas le plus compliqué à faire. J'ai commandé une omelette végétarienne. Vous savez, l'omelette avec les légumes au-dessus de... Je pense qu'elle sait de quoi est faite son omelette végétarienne. Nous allons vous laisser travailler. Oui. Ravie de vous avoir revu, chef. Cynthia. Je m'appelle Cynthia. Bonne journée à vous deux. À vous aussi. Merci. Bonne journée. Chef Cynthia. C'est gênant, cette situation. Luc, pourquoi tu veux qu'on fasse ça? T'as déjà assez de chiens, non? J'en ai rien à faire du chien. J'aime pas le nouveau, tu piges? Ouais, quelle blaireau fine. Bah quoi? C'est la seule laisse valable que tu as pu trouver? Comment on va payer pour cette visite? On va voir ça. J'ai un peu d'argent. Il accepte d'être payé en plusieurs fois. Il a fallu un an à ma mère pour payer quand mon chat a avalé une boule du sapin. Ça te fait très mal, hein, mon chat? Si vous voulez bien me suivre. Viens, Marsha. C'est une vilaine infection. Honnêtement. Mais pas si vilaine que ça. Il s'est juste blessé hier. À mon avis, c'est infecté depuis une semaine. Ah oui, je veux dire, il s'est blessé la semaine dernière, en fait. Où sont tes parents? Maman est au travail. Il faut qu'il soit opéré. Tu peux appeler ta maman tout de suite? Franchement, j'appellerai bien mes parents, mais je suis sûre qu'après, ils vont appeler ta mère. Écoutez, je ne peux pas intervenir sans l'autorisation du propriétaire, le propriétaire adulte. Je vous promets qu'on vous paiera, monsieur. Même si ça coûte cher, je travaillerai même ici pour aider à payer. Je vais le mettre sous antibio pour l'instant, mais il faudra passer à autre chose, et bientôt. Appelle ta mère et demande-lui de passer pour qu'on en discute. Je sais pas si ma mère voudra discuter. Tu as mal, le chien. Ça va aller, Marshall. T'inquiète pas. Allô? Salut, tante Cynthia. On est à la clinique vétérinaire de Richmond. Finn est avec toi? Oui. Et le chien aussi. Il y a une petite urgence. Il souffre énormément, tante Cynthia. Qui ça, Finn ou le chien? Les deux, mais... Surtout le chien. Bon, d'accord. Je viens de passer à la maison pour... Je vais passer par l'autre sortie pour l'arrêter. Marshall! Je vais appeler tout de suite la fourrière pour qu'ils viennent. Non, non, ne faites pas ça. S'il le ramène là où je l'ai trouvé, il va mourir. C'est là qu'il s'est blessé, qu'il est tombé malade. Il faut absolument le retrouver, Finn. Marshall doit commencer son traitement tout de suite. Mais c'est pas grave, vous l'avez dit. Finn, c'est un chien qui est très malade. Allô? On va se séparer. Garde bien ton portable. Marshall! Voilà, mademoiselle. Bien chaud. Merci, de rien, bonne journée. Non, je ne veux pas, tu n'auras rien. Va-t'en. Allez, Ous. Va-t'en. Allez, juste ça. Maintenant, tu t'en vas. J'ai plus rien pour toi. Allez. Non, Joey, laisse-le. Allez, va-t'en, toi.
tombe l'un sur l'autre comme par hasard. C'est mon portable? Bah oui, Finn, pourquoi t'as volé le portable de Luc? C'est mon portable. Vous le savez très bien. Tu veux que je te dise? Je te laisse le portable. Et toi, tu me rends mon chien. Je sais pas de quoi tu veux parler, Luc. Moi, je crois que si. Je crois que tu sais très bien de quoi je parle. Ça s'appelle introduction par effraction et direction le tribunal pour enfants. Alors où est mon chien? J'ai dû le ramener à ses vrais propriétaires. Menteur. Ce chien était un chien errant et personne ne s'occupe de lui à part ma mère. Alors où il est? On lui file une petite correction? À ta place, moi, je ferais pas ça. Parce que tu vois, Joe, je pourrais dire à ton frère que tu portes son blouson de foot. Il a volé le chien de Luc. C'est vrai, Luc? Et comment il s'appelle, le chien? J'en sais rien, moi. Comment il s'appelle, dis-moi? J'en sais rien, d'accord? Et puis je m'en fous. Eh oui, tu t'en fous. C'est Marshall. Et c'est pas une chose, c'est un animal qui a besoin qu'on s'en occupe. En tout cas, c'est toujours le chien de ma mère et il ferait mieux de le ramener, sinon il aura affaire aux flics. Appelle la police? Je suis sûre que ça leur fera plaisir de voir ta famille. Ensuite, ils appelleront la SPA ainsi que la fourrière. Bon sang, mais pourquoi tu te laisses embêter par cette fille? Tu feras quoi quand elle sera plus là, hein? Ouais. Tout ça est trop bête, Luc. Ta mère a beaucoup d'animaux, pourquoi tu ne laisses pas le garder? Elle n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Tu connais mon petit copain, Drew? Drew Markham, c'est le capitaine de l'équipe de foot de la fac. Tu vois le genre? Je vais lui envoyer un SMS. Je me fiche de ce que disent les autres. Tu ramènes mon chien aujourd'hui. Sinon, tu feras pas long feu à l'école. Ah ouais? On se tire, venez. Je vais essayer de le trouver dans le parc. Bonjour, on m'a demandé de venir voir le docteur Henry. Il est... Docteur Henry Reeves, chef Cynthia. Je rêve. Vous êtes le vétérinaire? Vous êtes Madame Lawson? Mademoiselle. Voici l'autre docteur Reeves. C'est drôle, ça, on s'est déjà vu. Je suis absolument désolé, votre chien a réussi à s'enfuir. Ce qui n'arrive vraiment presque jamais. Mais Finn et Gracie sont partis à sa recherche. Nous n'avons pas de chien. Finn n'a pas de chien? Non. Mais je commence à croire qu'il en a un. Je me dis aussi qu'il va être privé de sortie jusqu'à ce qu'il entre en fac. Je ne voudrais pas me mêler de ça, mais je me sens un peu responsable d'avoir laissé le chien s'enfuir. Je vais les faire rechercher. Non, et... laissez-moi m'occuper de mon fils, s'il vous plaît. Merci. Je vais sévir. Est-ce qu'ils ont dit de quel côté ils allaient? Laissez-moi prendre mes clés et on va les chercher. Je vous ai dit que j'allais m'occuper. Gardez plutôt votre énergie. Comme ça, quand on l'aura retrouvé, vous pourrez sévir, comme vous dites. Merci. Au revoir et profitez bien. C'est à qui ce chien? Là, montre-toi. Où il est, ce malin?
falloir m'aider pour retrouver ce chien. Où es-tu donc, mon coquin? Vous savez à peu près comment il est? Finn? Oui, je crois savoir comment est mon fils. Je parlais de son chien. C'est quoi le problème avec lui? Avec Finn? Je sais pas pourquoi il a un problème. Je vous parlais du chien. Marshall a une patte qui est très très infectée. S'il n'est pas traité tout de suite, il développera une septicémie. Ses organes vitaux seront très vite touchés et on ne sait pas où le trouver. J'aurais jamais dû prendre Marshall. Je fais pas mieux que la mère de Luke en plus. C'est pas du tout la même chose. Il serait mort si tu l'avais laissé chez eux. Il va mourir avec moi parce que je l'aurais pris. Même quand je fais tout ce que je peux, je perds à la fin. On ne perd que quand on abandonne. C'est facile quand tout se déroule sans accroc. Mais quand tu traverses une épreuve difficile, il faut te battre pour la surmonter. On n'abandonne pas 5 minutes avant d'avoir réussi. Pas mal ce que tu dis. C'est toi qui l'as inventé? Non. C'était une phrase sur une carte de vœux. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Je viens d'avoir une idée. Marshall! Il est là! Il n'est pas de cette couleur. Lui, il est croisé. Je sais pas comment vous le voyez. Disons que c'est un peu le métier qui demande ça. Départ de la troisième course dans 5 minutes, ce sera le prix. Et maintenant, nous allons passer... Je te remercie de ne rien faire, Gary. T'inquiète pas, maman. On le trouvera, Marshall. Marshall? Son nom, c'est Petit Bébé. Mais je croyais que Bébé Poupon, c'était le colis. Non, le colis, c'est Bébé Bambin. Tu ne connais même pas leur nom? Personne peut se rappeler d'autant de noms impossibles. Tu te lèves, Gary. On va chercher Petit Bébé. Dépêche-toi. Reviens, ma puce! Sammy, viens ici! Ne va pas sur la route! Non, Sammy! Eh ben dis donc, je te remercie vraiment beaucoup, le chien. Et tu verras ensuite ce que tu fais. Ouais, je suis pas pressé. Oh, c'est Drew. Génial. Je croyais que t'avais pas le droit de sortir. Je n'ai pas le droit, et sûrement pour le reste de ma vie. On reparlera de ça plus tard, il faut trouver Marshall. Marshall, c'est un chien? Oui, pourquoi? Tu croyais que c'était quoi? Pas un chien. Où on va, Finn? Je sais pas, dans la forêt, par le chemin des braconniers. Ah, ça va secouer par là. D'accord. On va voir ce que ça peut donner avec les 4 roues motrices. Vas-y, démarre. Finn a l'air d'un gentil garçon. Il aime vraiment ce chien. C'est un gentil garçon. C'est la seule bonne chose que Ted m'ait donnée. Parlant d'enfants, pour qui est ce siège pour bébé? Oh, c'est celui de Jennifer. Elle a 3 ans. Ils sont mignons à cet âge-là. Carrie est gaga avec elle. Et Gracie, c'est aussi votre fille? C'est ma nièce. Mais avec Finn, ils sont comme frères et sœurs. Vous avez de la chance d'avoir cet enfant. Oui, vous aussi. Où est ce chien? Ah, regardez, encore un faux Marshall. Ah non, celui-là, c'est le vrai. Oh. Vous passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté. Doucement, doucement, doucement. Arrêtez-vous ici, arrêtez-vous. Gentil, Marshall. Avancez lentement vers lui. Viens, Marshall.
Tu ne crains rien, le chien, on va s'occuper de toi. Approche, mon toutou. Ma peur. Viens. Oh. Je crois qu'il est de l'autre côté. Oui, il est là. Oh. Je crois que Marshall ne m'aime pas. Non, ça m'étonnerait. Vous aimez les chiens, non? Oui, j'aime les chiens. Je crois que maintenant, Marshall a un peu peur de tout le monde. Peut-être qu'il va passer par Willow Street. Wouhou! Tu t'amuses bien, Finn. Ouais! Non, tu vas pas être malade dans ma voiture. Arrête-toi, vite. S'il te plaît, Gracie. Tu vas pas me faire ça. C'est dégoûtant. Oh, ça va mieux maintenant? Oui, ça va. Alors, dis donc, et le baseball, ça se passe bien? Je suis pas dans l'équipe. C'est vrai, ça? C'est injuste. T'es un super troisième base. C'est une longue histoire. Ça va? Comment tu te sens? J'en ai marre de chercher ce chien débile. Allons plutôt jouer dans la crique. Le chien, je m'en moque totalement. Je veux massacrer le nouveau, c'est tout. C'est quoi ton problème avec Finn? C'est pas vraiment quelqu'un de gênant. C'est un loser. Il est trop bizarre. Faites ce que vous voulez, mais moi je vais ailleurs. Moi aussi, je viens avec toi. Tu fais quoi, toi? Moi je te suis. Hé! Hey, attendez. On y va, oublie-les. T'inquiète pas, si on le retrouve pas, ce sera quelqu'un d'autre. Ils appelleront le numéro sur la plaque. Il a pas de plaque. Ça, c'est moins bien. Même s'il en avait une, il retournerait chez les Weaver. Il devrait être en prison. La mère, elle doit pas comprendre qu'elle leur fait du mal. Et Luke a zéro neurone. Pourtant, c'est un bon joueur de baseball, non? Tu crois pas? Pour un crétin, ouais. Et comment ça se fait que t'es pas dans l'équipe, toi? J'ai échoué aux sélections. Comment t'as fait? J'étais coincé dans le meuble à linge châle, et ça puait. Tu me l'avais pas dit, ça? C'est pas le genre de choses qu'on crie sur tous les toits. J'ai compris, c'est Luke qui t'a enfermé là-dedans. Exact. Je trouve pas ça drôle. Ah, je sais ce que ça fait. Comme si les autres voulaient m'intimider. Zut alors. Mmh. Non, je... Moi aussi, on a voulu m'intimider. Ah ouais, t'es sûr? C'était toi le petit dur? J'étais un petit crétin. Oui, un super crétin. Et certains de ses copains essayaient de s'en prendre à mon ami Jérémy aux interclasses. Gracie était en pétard et séduisante. Je suis allé la voir après les cours pour m'excuser et tu sais ce qu'elle a dit? Va plutôt t'excuser auprès de Jérémy. Alors, j'y suis allé. Et c'est là que vous avez commencé à vous fréquenter? Sûrement pas. Il était toujours aussi crétin. Mais... il a bien changé. Pas facile de reconnaître que t'es un loser. Je suis déjà un loser, je le sais. Non, dis pas ça. Tu vas commencer à le croire. Et c'est ce que les autres crétins veulent. Plus ils verront que tu as peur d'eux, plus ils se sentiront forts. Ne les laisse pas continuer. Allô? D'accord. Ça marche. Je lui ai dit. Ta maman veut qu'on rentre tout de suite. Je dois trouver Marshall. Elle et le docteur Henry vont continuer de le chercher en voiture, mais elle veut qu'on rentre tout de suite chez vous. Ma mère recherche Marshall? Oui. Incroyable, hein? Mais toi et moi, on doit rentrer au cas où Marshall retournerait chez toi. Ça m'étonnerait. Il a plus confiance en nous maintenant. Je dois retrouver Marshall. Alors, vas-y. Mais comment? Fais ce qu'il faut pour retrouver Marshall. Où est Findrew? Écoute, je sais pas. Il était là avant le coup de téléphone et maintenant il a disparu. Alors je peux pas lui dire que sa maman s'inquiète et le cherche? Je suppose que non. Merci à vous deux. Très bien joué, Drew. Parfois je suis inspiré. C'est lui. Chut, pas de bruit, doucement. Viens, Marshall. Oh.
Vous êtes sérieux, là? Ouais, c'est ça. Riez bien. Je suis désolée, vous avez sali votre pantalon et votre chaussure. Je côtoie des animaux tous les jours, j'ai marché dans des choses pires. Vous avez déjà marché dans de la bouse d'hippopotame? Eh bien non, je ne crois pas. Moi non plus. Personne ici n'a d'hippopotame. Vous ne pensez pas? Non, c'est sûr. Non, pourtant j'ai marché dans beaucoup d'excréments. Attendez, je vais vous aider. Donnez. Je vais pas rester comme ça, vous regardez. Et là. Désolée. Posez doucement le tuyau par terre et laissez vos mains apparentes. Comme ça. Carrie va finir par se demander où vous êtes. Non, non, elle sait parfois que je sors. Ce qui me permet de me changer les idées. Écoutez, on ne va pas retrouver Marshall ce soir et je dois rentrer pour Finn. Oui, bien sûr. En cas de besoin, je suis là, je viendrai. Je viens vraiment de flirter avec un homme marié. Allez, reprends vite tes esprits, Cynthia. A 100 years gone by, still I'm waiting. Thinking you would change your mind, yes I waited. So come on in, shake off the cold. Let me put my loving arms around you. Sit on down, won't you take off that. Ramener à ta petite maison. Cosmo, allez, viens. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait à ta patte? Comment c'est arrivé? Tu as mal. Gary, bouge-toi la tête et viens m'aider à le porter. Il s'est blessé. Vas-y, Marshall. On rentre chez nous. Gary, cours le rappeler. Allez. Déjà beaucoup de chiens. Je suis son seul ami sur Terre. Et c'est le seul ami que j'ai. Ne t'inquiète pas. Ma femme va en prendre soin. Au revoir. Le chien. Je l'ai pas. Menteur.
Je l'emmenais chez le véto quand ils me l'ont arraché des mains. Il est sûrement mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Sa patte le fait beaucoup souffrir. Si on le soigne pas très vite, il va mourir. Qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Moi? Absolument rien. C'est vous qui avez fait ça, c'est ta mère même qui a fait ça. Tu peux prendre mon portable et dire que c'est le tien, on sait tous les deux que c'est pas vrai. Mais là, c'est différent, Luc. Ta mère aime peut-être Marshall, mais elle l'aide pas vraiment. Elle lui fait du mal. Interdit de parler de ma mère comme ça! Luc! Luc, rentre à la maison, on déclenche le plan B. Est-ce que le chien est blessé, maman? Il va bien. Je déteste quand tu me dis ça, je sais comment faire. Et toi, là, écoute-moi. Tu n'entres plus jamais dans ma propriété. Honte. Si Marshall meurt, ce sera ta faute. Amène-toi ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Grimpe derrière moi, on ira plus vite chez moi en bécane. On va aller chercher Marshall. Mais fais gaffe, si tu t'amuses à en parler à quelqu'un, je te mets une bonne dérouillée. Allez, grimpe! Et les mettre dans la remise avec les autres. Toi, tu t'occupes de lui et tu le mets aussi dans la remise. Ils s'entendent pas là-dedans. Ce n'est que pour quelque temps jusqu'à ce qu'il ne le cherche plus. Faut qu'on l'emmène chez le véto, il est blessé. Non, il n'est pas blessé, il m'a, moi. Pourquoi faut-il que je fasse tout ici, Gary? Je dis bien tout. Alors prends ce chien et mets-le dans la remise. J'arrive, mes petits chéris. Je vous ai manqué. Ça va aller pour toi, Marshall. Allez, va retrouver le jeune gars. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais, Gary? Va chercher ce chien. Le voilà. Faut que je l'emmène chez le véto. J'ai une idée. Ça ne se présente pas très bien, j'en ai peur. Vous pouvez entrer et lui dire au revoir. Tu veux venir? Oui, bien sûr. C'est comme ça, chérie. J'arrive pas à croire que je doive déjà lui dire au revoir. C'est pas juste. Je sais que c'est pas juste. À la fin du bail de cette location, peut-être que... on pourra peut-être chercher une autre maison où on pourra avoir un chien. Mais mon chien, c'est Marshall. Chérie.
plus fort, Marshall. Accroche-toi, je t'en prie, ne meurs pas. Vous pouvez faire quelque chose pour lui. Pratiquer une amputation. Ça se voit ? Je peux pas le garantir, mais c'est notre meilleur espoir. Ce sera beaucoup de travail pour qu'il réapprenne à marcher et qu'il trouve ses repères. Il lui faudra des tonnes d'amour et d'attention. Je m'occuperai de lui, maman. Tu sais que je le ferai. J'aiderai aussi. D'accord. On y va ? Alors c'est parti. Tu le prépares, petite sœur ? Carrie est votre sœur ? Oui, et une super vétérinaire. Il devrait s'en sortir. À condition que les antibiotiques fassent leur boulot. Ça a été chaud pendant un petit moment. Son cœur s'est arrêté. Je croyais que vous aviez dit qu'il... Mais il est bien reparti. Je crois qu'il a compris qu'il avait des raisons de vivre encore. Et pour sa patte, alors ? Eh bien, il devrait être debout et... courir partout et s'amuser très vite sur ses trois pattes. Comment t'as... Ta mère a dit qu'elle avait trouvé Marshall ? Elle l'a recueilli chez nous. On a d'autres chiens. Beaucoup d'autres. En fait, ma mère, elle n'est pas méchante. Elle les aime tous, mais ils sont trop nombreux. Je crois qu'on va aller la voir tout à l'heure. Et lui dire que Marshall va s'en sortir. Merci. C'est vraiment un miracle. C'est Marshall, le chien miracle. Nous avons un chien maintenant. Mon chéri. Combien de chiens avez-vous sur la propriété ? 5, je crois. 5 chiens. Il y a petit bébé, bébé, le bébé de maman, bébé bambin, Rex 1. Rex 1, donc il y a un Rex 2. Non, il n'y a que Rex 1. Est-ce que l'un de ces chiens ne serait pas Rex 2 ? Écoutez, je vais aller jeter un coup d'œil aux alentours et voir ce qu'il y a à voir. Et la peur que vous les fassiez tous euthanasier. C'est pas ce qui est prévu. La SPA sait très bien gérer ce genre de situation. Ce que j'ai vu m'a révolté. J'ai porté secours à ces chiens. Vous ne savez pas où ils étaient. Oh, vous n'avez pas le droit de me juger. On est ici pour le bien des animaux. On n'est pas ici pour vous juger. Madame Weaver, le mieux que vous puissiez faire, c'est les laisser trouver un autre foyer. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. J'ai même jamais été méchante. C'est pas mal d'avoir des chiens. C'est vrai. Mais 60, ça fait beaucoup. Ah, tu crois ? Ne pleure pas.
crois, elle va arriver tout de suite. Dis bonjour au docteur. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Bonsoir. Bonsoir. Jolie maison. Merci. Vous savez, c'est petit, mais c'est moderne et on peut avoir des animaux. C'est petit, mais j'ai un doute côté modernité. Gracie, tu veux bien les mettre dans un vase, s'il te plaît. Oui, merci. Elle doit respecter un couvre-feu. N'oubliez pas ça. Je la raccompagnerai pas tard. Alors, quoi vous pensez? Eh bien, je me disais... Quelle serait sa réaction si je lui prenais la main? Je sais pas, essayez pour voir. À quoi vous pensez? Eh bien, je me disais... quelle serait sa réaction si je lui donnais un baiser sur la joue? Essayez pour voir. Aujourd'hui, nous faisons une exception pour toi et Marshall. Nous voudrions donc te remettre l'Oscar du maître chien de la ville. Merci. Je n'ai pas juste sauvé Marshall. Lui aussi m'a sauvé. Ne jouez pas les pieds durs. Soyez forts, soyez courageux et soyez gentils. La vie peut parfois être difficile. On n'abandonne pas 5 minutes avant d'avoir réussi. Marshall a aussi quelque chose à dire. Amusez-vous, tout le monde! Allez, viens, Marshall.
open wide. Suddenly I'm inside your mind. All those little thoughts that I had have changed. And suddenly my heart opens up and I see you for what you are. And you glow in like a star. Garçon, je t'ai vu lancer comme un pro l'autre jour. Vous êtes Ozzy Smith ? Ce qui compte, ce n'est pas d'être un grand joueur, c'est d'avoir un grand cœur. Continue ton bon travail. Merci. Merci, Ozzy.